Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost. In time, like tears in rain. Time to die. Salut les LDCistes, j'espère que vous vous portez bien. Vous êtes bien sur LDC, le groupe dans lequel l'équipe s'efforce de vous proposer du contenu inédit et difficilement trouvable ailleurs. C'est d'ailleurs plus que jamais le cas pour cette nouvelle série que je soumets à votre appréciation et que j'ai intitulée « Religiologie et culture pop ». Quel rapport, me direz-vous, entre culture populaire et religiologie ? Eh bien en fait, plein de choses. C'est sans doute l'un des domaines les moins connus des sciences des religions, mais plusieurs sociologues et anthropologues se sont posé des questions sur les liens qui peuvent exister, par exemple, entre religion et jeux vidéo, ou sur la question de la symbolique religieuse dans les films ou le monde de la musique. Pour ne donner que quelques illustrations de ce type d'études, on peut donner en exemple les travaux sur la censure dans les jeux vidéo. Ceux de ma génération se souviennent peut-être d'un certain jeu qui s'appelait Super Castlevania, sorti sur la 16-bit de Nintendo. Eh bien, lors de sa sortie en Occident, ce jeu avait fait l'objet d'un toilettage visuel, notamment pour enlever des références aux symboles chrétiens. Idem pour le jeu ActRaiser, toujours sur la même console, un jeu dans lequel on incarne Dieu. Dans la version occidentale, l'avatar que l'on incarne n'est plus Dieu, mais tout simplement un héros appelé Master. Et pourtant, dans les jeux actuels, la religion n'est plus tabou. Déjà à la fin des années 90, sur la console Sega Saturn, le très prisé Radiant Silvergun, qui atteint les 300€ sur eBay, c'est juste de la folie, proposait de tuer Dieu. Plus récemment, on peut citer par exemple Outlast 2, qui traite clairement d'une thématique à mi-chemin entre christianisme et satanisme. Que s'est-il passé pour qu'on passe d'une censure qui faisait la chasse aux croix pixelisées sur console 16 bits à des jeux décomplexés sur la question religieuse où croix à l'envers et autres blasphèmes ne choquent plus personne? Il y a clairement des éléments socio-anthropologiques à expliquer. D'autres religiologues se sont intéressés à des dynamiques plus collectives, par exemple les formes de spiritualité qui se sont développées dans des jeux en ligne comme le très connu World of Warcraft, sans oublier non plus les multiples références qui empruntent aux mythologies religieuses, par exemple des jeux où on affronte des ifrites, une sorte de djinn malveillant si vous voulez, ou encore la fameuse Lilith, femme démoniaque dans certaines traditions interprétatives juives. Bref, le sujet des interactions entre le monde du jeu vidéo et le monde des religions est vaste et passionnant. Et rien que là-dessus, on pourrait tenir une série entière. Mais de quoi va-t-il être précisément question dans cette vidéo ? De jeux vidéo, pour commencer, mais de jeux qui traitent d'une question bien particulière et à moule égard bien profonde. L'âme,
ou plus globalement, ce qui fait de nous des êtres humains. Alors, petit spoiler alerte, il sera question durant toute cette émission des jeux suivants. D'abord, Gemini Rue, un jeu de type point and click, c'est-à-dire un jeu où l'on résout des énigmes et des puzzles tout en suivant une trame narrative et scénaristique. On verra aussi un jeu qui s'appelle Observer, un jeu d'enquête et d'horreur dans lequel le célèbre Roger Hauer prête sa voix au personnage principal. Et oui, vous vous souvenez tous de Roger Hauer et de sa réplique mythique dans Blade Runner, Like Tears in Rain. On parlera aussi de Soma, un jeu post-apocalyptique, lui aussi très orienté horreur, et on mentionnera aussi la saga Metal Gear Solid, une série qui remonte aux années 80, mais qui a vraiment pris son envol en 1998 avec l'épisode sorti sur la première PlayStation de Sony. Bref, si vous n'avez pas joué à ces jeux que vous avez l'intention de le faire, jouez-y et revenez, car évidemment je vais dévoiler les intrigues. Si vous y avez déjà joué et que vous ne comptez pas y jouer, installez-vous confortablement, préparez-vous un thé ou un café, parce que ça va chauffer les neurones, je vous préviens, on va philosopher sec. Qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains ? Cette question est éminemment philosophique et on trouve déjà dans les écrits de Platon et Aristote un concept qui nous est familier, ne serait-ce que de nom, l'âme. L'âme est une sorte de dimension immatérielle de l'être, un fantôme dans la machine qui anime notre corps. Même si les religions dites abrahamiques n'ont pas toujours professé une vie après la mort, elles vont rapidement investir ce concept d'âme et en faire la pierre angulaire de toute leur cosmologie. En effet, et sans entrer dans les détails des théologies de chacune des religions, on peut schématiser une forme de cosmologie abrahamique comme suit. Le souffle de Dieu insuffle au corps sa force vitale, le corps vit, se développe, se nourrit, tant que ce souffle, c'est-à-dire l'âme, se trouve en lui. Puis lorsque Dieu le décide, l'âme est séparée du corps, c'est ce qu'on appelle la mort. D'ailleurs en islam, le corps peut mourir tandis que l'âme y est encore présente. C'est le principe de la tombe, et notamment des fameux récits sur les châtiments de la tombe où l'âme est tourmentée ou au contraire soulagée en fonction de ses actions passées, en attendant d'être récupérée par Dieu. Les suites de cette mort dépendent encore une fois des théologies propres à chaque religion. Résurrection des corps dans le christianisme, résurrection avec renvoi des âmes sur terre dans l'islam, ou vie spirituelle débarrassée du corps dans certaines formes de gnosticisme. Quoi qu'il en soit, l'âme tient encore une fois la place centrale. Mais qu'est-ce que l'âme exactement ? Est-elle le support de nos émotions et de nos sentiments ? Le siège de notre mémoire peut-être ? Voire le siège de notre conscience ? D'où nous vient cette impression de nous habiter nous-mêmes ? Avant l'essor des neurosciences, et même plus globalement de la biologie, faire de l'âme le siège de notre conscience ou de nos émotions semblait être une solution tout à fait naturelle. Cependant, de plus en plus de recherches scientifiques indiquent que les fonctions qui gouvernent la mémoire, le ressenti, voire même le choix, sont liées au fonctionnement de notre cerveau. On a d'ailleurs quasiment tous connu ce moment lors de l'anesthésie générale où le médecin nous demande de compter à rebours. On compte 10, 9, 8, 7, puis la voix de l'infirmière en salle de réveil. Absolument rien entre les deux, le néant absolu, la perte totale de conscience, de longues heures d'opération condensées en un véritable saut quantique dans l'espace et le temps. C'est que l'anesthésie générale inhibe toutes les fonctions de notre cerveau liées à la conscience, notamment pour ne pas ressentir la douleur. En même temps, c'est le but, hein ? Et si la mort n'était rien de plus qu'une anesthésie générale sans fin ? Où est passée mon âme durant l'anesthésie si elle est le siège de mes émotions ? Les philosophies matérialistes voient dans les neurosciences et ce qu'elles nous dévoilent sur le cerveau une preuve que l'âme n'existe pas, que la conscience n'est qu'un phénomène purement matériel, une activité neuronale qui nous donne l'illusion d'être plus que notre corps. Mais même ces philosophies matérialistes ont leurs limites. Car s'il n'existe pas à ce jour de preuve que la conscience soit plus que notre activité cérébrale, on ne peut pas non plus se passer d'une métaphysique de l'être humain, c'est-à-dire d'une définition de l'homme comme étant plus que de la matière. Car si on se limite à la dimension matérielle de l'être humain, alors à un niveau fondamental, le corps n'est rien d'autre qu'un agencement d'atomes, c'est-à-dire un amas de nucléons et d'électrons. Pousser cette logique jusqu'au bout ne peut aboutir qu'à une absence totale de morale et une impossibilité de vivre ensemble. Car la seule différence qui existe entre un sac de sable et un corps humain, c'est l'agencement des nucléons et des électrons qui les composent. Si on s'arrête à ce niveau, alors mettre un coup de couteau dans un sac de sable ou mettre un coup de couteau dans un corps humain est strictement équivalent,
Après tout, on ne fait que réarranger des nucléons et des électrons. Mais bien évidemment, personne ne souscrira à une telle vision. Il existe une différence statutaire irréductible entre un corps humain et un sac de sable. Mais si les deux ne diffèrent dans leur matérialité que sur le plan de l'agencement de leurs particules élémentaires, alors cette différence statutaire doit s'appuyer sur autre chose que de la matérialité. D'un point de vue matérialiste, on peut encore s'en sortir en admettant qu'il n'y a effectivement pas de différence entre un sac de sable et un corps humain, et que si nous refusons de poignarder un corps humain et pas un sac de sable, c'est uniquement dû à nos perceptions engendrées par notre cerveau qui a évolué de façon à limiter notre tendance à frapper nos semblables et garantir ainsi notre survie. Certes, mais on n'est toujours pas sorti d'affaire. Pour s'en rendre compte, on peut procéder à l'expérience de pensée suivante. Supposons que l'on puisse cloner instantanément un être humain. Sitôt le clonage terminé, aurait-on affaire à deux fois la même personne? Ou aurait-on affaire à une personne et une deuxième personne clone? Allons même plus loin. Et imaginons non pas un clonage, mais un dédoublement instantané, de façon à ce qu'on ne puisse même plus distinguer un clone et un original. À quoi aurait-on affaire? À deux fois la même personne? Ou à deux personnes différentes, bien que similaires en tout point sur le plan matériel. Quelle que soit la réponse pour laquelle on opterait, une chose demeurerait constante. Sitôt clonée ou dédoublée, chaque entité continuerait une histoire qui lui est propre. Et si l'âme, c'est-à-dire cette dimension métaphysique et irréductible à l'être humain, n'était rien d'autre que ça, une biographie singulière? C'est justement la thématique qu'explore le jeu Géminiru, une sorte de polar qui se déroule dans un futur lointain alors que l'humanité a déjà entamé l'exploration de l'espace. Je m'excuse d'avance pour les quelques longueurs qui s'annoncent, mais je vais devoir vous résumer un minimum l'histoire pour que vous compreniez de quoi il en retourne. Je serai plus synthétique pour les autres jeux, sinon la vidéo sera interminable, mais le scénario de Géminiru est vraiment paradigmatique pour notre problématique. Dans Géminiru, on incarne donc un assassin devenu policier nommé Azriel Odin. Au début du jeu, on découvre qu'Azriel est à la recherche de son petit frère, détenu dans une prison nommée Center 7, perdue sur une nébuleuse. Pour le retrouver, Azriel s'associe avec Matthias Howard, un ancien coéquipier avec qui il a résolu plusieurs enquêtes. Au fur et à mesure de leur recherche, Azriel et Matthias croisent le chemin de Sayuri, une jeune femme dont ils découvrent rapidement qu'elle a réussi à s'évader de Center 7, mais qu'elle souhaite y retourner pour sauver quelqu'un qui y est resté et qui lui est cher. Parallèlement à l'enquête des deux policiers, le joueur prend le contrôle du frère d'Azriel dont on découvre qu'il s'appelle Charlie à Center 7. Center 7 n'est pas juste un centre de détention, chaque détenu doit suivre un programme de réhabilitation en suivant une formation qui doit ensuite faciliter la réinsertion en société. Néanmoins, plusieurs indices indiquent que les choses sont beaucoup plus obscures, et très vite, Charlie cherche à s'évader de Center 7 à l'aide des quelques amis qu'il s'est fait. Le jeu fait ensuite l'aller-retour entre d'un côté l'enquête d'Azriel et de l'autre la tentative d'évasion de Charlie. Je vous la fais court pour ne pas être trop long, mais en gros, la tentative de Charlie échoue. Au prix d'une bagarre avec un antagoniste nommé Balder, qui finira d'ailleurs défiguré, Charlie sacrifiera sa tentative pour qu'une jeune fille puisse s'échapper. Pendant ce temps, Azriel, Matthias et Sayuri finissent par localiser Center 7. Très vite, on comprend que le quelqu'un que Sayuri cherche à sauver est en fait Charlie. Mais une fois arrivé sur Center 7, aucune trace du frère d'Azriel. Matthias part enquêter de son côté, tandis que Sayuri et Azriel explorent une autre partie du centre. Puis là, coup de théâtre, Matthias piège Azriel et Sayuri, les emprisonne et révèle tout. Azriel Odin. I never thought I would have to say that name again in my life. The little assassin who went out to be a big boy and worked for the Baryokuten. But no. No. You had to screw everything up, didn't you? You know what happens when customers get defunct products? They get recalled. You know how? I put fail-safes in them. Fail-safes that when, by the flip of a switch, the product automatically comes back to me. You know, desirable objects? Lost lovers, objects of power, missing family members,
Everybody has something that they're willing to give everything up for and chase after. Azriel n'a jamais eu de frère. C'était un faux souvenir inséré artificiellement dans sa mémoire. Et oui, rappelons-nous que nous sommes dans un futur lointain. Ceci étant, si on n'en est pas encore au point de pouvoir graver des souvenirs dans la tête d'un humain, c'est déjà possible chez les rats. D'autre part, les psychologues ont prouvé qu'il est possible de créer de faux souvenirs uniquement par un jeu de suggestions. Je vous renvoie à l'épisode sur les faux souvenirs qu'on peut trouver sur la chaîne e-pensée de Bruce Benhamran. Franchement, c'est un épisode super bien fait et où on apprend énormément de choses. C'est là que se trouve le plot twist du scénario du jeu. Azriel n'a pas de frère nommé Charlie. Azriel est Charlie. Et oui, vous l'aurez compris, toutes les phases de jeu avec Charlie ou encore Delta 6 étaient en fait des flashbacks et non des phases parallèles avec Azriel. C'est vraiment un coup de maître en termes de storytelling dans un jeu vidéo. Your name isn't Azriel. There's no such person as Azriel Odin. I created him. I programmed your entire past, your entire being, your personality. I made you think that you were Azriel Odin. But I'm happy to see you again, Delta 6. I've missed you since you left. I'm not Delta 6. How do you know that? How do you know who you are? Think about it, Delta 6. Any connections to your old life, any family members or loved ones who could identify you? They don't exist. And if they do, you don't remember where to find them or remember when you last saw them. There's no one in this world who can identify you. Mathias dévoile en effet que Center 7 n'est pas une prison, mais un centre menant illégalement des programmes de conditionnement d'assassins vendus ensuite à divers trafiquants. Charlie, ou Azriel, on ne sait plus trop comment l'appeler, ainsi que Sayuri, ont fait partie de ces programmes, et ils ont tenté de s'échapper. Sauf que Sayuri a réussi, et pas Charlie qui avait sacrifié sa tentative pour elle. Du coup, Charlie a subi le programme jusqu'au bout. Sa mémoire a été reconditionnée après sa tentative d'évasion, son visage remodelé par chirurgie faciale et il est devenu assassin. Ceci étant, le reconditionnement n'a pas totalement fonctionné puisqu'il a fini par abandonner sa carrière afin de devenir policier. Et c'est justement pour cette raison que Center 7 prévoit à chaque fois un faux souvenir qui oblige les assassins défaillants, c'est-à-dire qui abandonnent leur carrière, à revenir à Center 7 pour être reconditionnés. Dans le cas d'Azriel, ce faux souvenir était celui d'un petit frère totalement fictif détenu à Center 7. Et quid de Mathias ? Eh bien Mathias n'était autre que Balder reconditionné. Son but depuis le début était de se venger de Charlie qu'il avait défiguré. Bref, je vous passe les détails de la fin du jeu, Charlie et Sayuri arrivent à s'en sortir, Mathias est tué, le directeur de Center 7 est aussi tué, et nos deux héros, si on peut les appeler ainsi d'ailleurs, arrivent à s'échapper avant que Center 7 ne soit détruit par autodestruction. Mais une question demeure, qui est Azriel? Tous ses souvenirs sont fictifs, et le jeu se garde bien de donner plus de détails sur une éventuelle, véritable biographie. D'ailleurs, le plot twist du jeu nous pendait au nez depuis le début. Dans le prénom même du protagoniste principal, Azriel, prononcé à l'anglaise Azriel, comme vrai. Comme vrai mais pas vraiment vrai, tout au plus une imitation du réel, un reflet dans un miroir. Azriel n'est pas réel. Et Charlie n'existe plus. Il n'existe qu'un individu sans biographie, peut-être sans âme au final. Cette thématique des faux souvenirs, en plus d'être plausible sur le plan scientifique, a aussi été traitée dans le fameux manga Ghost in the Shell. À ce désarroi, le dernier dialogue de Sayuri offre tout de même une lueur d'espoir. Is that all we are? Our memories? Even though we couldn't remember anything, we weren't all evil in Center 7. We stuck together. We knew who we were. Maybe because deep down, maybe there's something besides your memories that makes you who you are. It doesn't matter to me if his name is Delta 6 or Azriel or if he thinks he's one person or the other. Because I know that he's still the same person on the inside, the person I know who saved me, with or without a past. He doesn't even know who you are. He doesn't have to.
He only has who he is right now, and that's all that matters. Elle est en effet convaincue qu'Azriel est fondamentalement la même personne que Charlie, même avec ses souvenirs effacés, même avec un autre visage. Elle est convaincue que le Charlie qui s'était sacrifié pour qu'elle puisse se sauver et le Azriel qui a pris des risques tout au long de l'aventure pour sauver son frère, fût-il fictif, sont une seule et même personne. Quelque chose de Charlie a survécu lorsqu'il est devenu Azriel. Une chose qui n'est ni ses souvenirs, ni son apparence physique, ni même son identité. Ce que Sayuri laisse ainsi entendre, c'est qu'il doit exister en chaque être humain une part irréductible qui ne dépende ni de notre mémoire, ni de notre apparence physique. Azriel ou Charlie a toujours été mu par un élan du cœur irréductible, une générosité et un altruisme qui l'ont poussé au sacrifice de lui-même lorsqu'il était Charlie et à remuer ciel et terre pour retrouver son petit frère quand il était Azriel. Même quand on l'a forcé à entrer dans la profession d'assassin, après conditionnement, son cœur a fini par surmonter ce conditionnement. Peut-être est-ce là un début de réponse à ce qu'est l'âme, une capacité de l'être humain à surmonter ses conditionnements, une nature irréductible qui fait que même si on vous chamboule votre mémoire, qu'on reconditionne votre apparence physique, vous restez la même personne. Les conditionnements et les moyens de les surmonter. C'est aussi la thématique qui est développée dans la saga Metal Gear Solid, une série de jeux d'espionnage-infiltration dans laquelle on incarne un soldat surdoué nommé Solid Snake, pris dans des intrigues et imbroglios politiques étonnamment bien écrits et complexes, pour du jeu vidéo en tout cas. Le premier opus se penche ainsi sur une forme de conditionnement à laquelle nous sommes tous soumis, puisqu'il est question de l'influence de la génétique sur notre destin et à quel point nos gènes façonnent nos comportements. En mettant le protagoniste principal face à des soldats génétiquement modifiés à partir du génome du soldat le plus redoutable de l'histoire, soldat qui s'appelle tout simplement avec beaucoup d'originalité Big Boss. Oui, on se cassait pas la tête pour les noms dans les jeux vidéo à l'époque. On est amené à se questionner sur les possibilités pour Solid Snake de mener à bien sa mission. Mais il s'agit là de la surface de la thématique. En effet, le fond de la question est, si la génétique nous façonne, n'est-ce pas dire qu'elle nous détermine entièrement? La vie ne serait alors rien d'autre qu'un moyen de faire triompher notre génome sur les génomes concurrents. Solid Snake ayant été le fruit d'un clonage, il n'est pas capable de se reproduire, et donc de transmettre ses gènes. Why are you telling me this? I can read people's minds. In my lifetime, I have read the past, presents and futures of thousands upon thousands of men and women. Oh, gross. And each mind that I peered into was stuffed with the same single object of obsession. That selfish and atavistic desire to pass on one seed. It was enough to make me sick. Every living thing on this planet exists to mindlessly pass on their DNA. We're designed that way. And that's why there is war. But you, you are different. You're the same as us. We have no past, no future. We live in the moment. That's our only purpose. Se pose alors la question redoutable du sens de sa vie. La fin du jeu, et même son déroulé d'ailleurs, laisse entendre que nous serions plus que nos gènes. Que la vie d'un individu ne consiste pas à obéir à l'impératif de perpétuer son génome. Each person is born with their fate written into their own genetic code. It's unchangeable, immutable. But that's not all there is to life. I finally realized that. I told you before the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was, where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong.
I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that it governs a person's potential strengths, potential destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether or not you're in the Fox Dye program isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Don't you think, Snake? Don't worry. I'm going to choose life too. Until today, I've always looked for a reason to live. But from here on, I'm going to just live. Nos expériences subjectives comptent et sont même prioritaires sur notre capital génétique de départ. Si Snake réussit à supplanter toute une armée de soldats génétiquement modifiés, c'est parce qu'il a ce qu'ils n'ont pas. Une expérience du terrain réel, là où eux ont été conditionnés à ne réagir qu'à des situations préimaginées. Autrement dit, le premier Metal Gear place le vécu comme un moyen de dépasser le déterminisme matériel incarné ici par la génétique. De bons gènes ne remplaceront jamais la réalité vécue, l'expérience. Et si nos gènes nous sont imposés, notre vécu nous appartient. Peut-être qu'on tient ici une autre piste pour définir l'âme. L'âme serait ainsi le siège d'une sorte d'authenticité qui s'opposerait à de l'artificiel. L'authenticité d'un soldat qui a vraiment vécu la guerre et les conflits, par opposition à l'artificialité d'un soldat modifié génétiquement qui a été créé pour le combat et non par le combat. Mais tout ceci est complètement renversé dès le deuxième opus de la saga. Un opus très spécial, qui suscite jusqu'à aujourd'hui, près de 20 ans après sa sortie, de multiples débats parmi les fans. Sans entrer dans trop de détails, il s'agit du seul épisode de la saga où l'on n'incarne pas Snake, mais un autre agent nommé Raiden. Snake est bien présent dans l'opus, mais en tant que personnage qui joue plus le rôle de mentor. Raiden ayant reçu sa formation militaire dans des programmes de simulation et non dans la réalité, ce qui lui jouera d'ailleurs des tours. Where were you before Foxhound, Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR, and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. Bref, quoi qu'il en soit, l'intrigue de Metal Gear Solid 2 nous rappelle que si l'on peut concevoir que l'expérience du réel soit prioritaire sur notre héritage génétique, on n'échappe pas à la problématique déjà soulevée par ailleurs dans Gemini Rue. Qui nous dit que cette expérience du réel est justement réelle ? Qui nous garantit que les souvenirs de nos expériences soient d'authentiques souvenirs et non des fabrications de notre imagination ou des idées qui ont fini par s'imprimer dans notre cerveau à force d'être suggérées? Encore une fois, sans entrer dans les détails, toute l'intrigue de Metal Gear Solid 2 tourne autour de la nature construite de la réalité de nos expériences, mais sur un autre modèle que celui des souvenirs artificiels de Gemini Rue. Nous naissons en effet à une époque que nous ne choisissons pas, dans une société que nous ne choisissons pas, et dans une culture et une langue que nous ne choisissons pas non plus.
Ces expériences que nous disons être les nôtres sont-elles alors autre chose qu'un déterminisme décidé à l'avance, soit par ce que d'aucuns appellent le destin, soit par des dirigeants aussi discrets que redoutables ? Oui, alors là, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de rendre très clair, avant qu'on m'accuse de complotisme, n'est-ce pas ? On est en train de parler de Metal Gear Solid, là. On parle d'un univers fictif. C'est clair pour tout le monde ? On continue. Après un dialogue mémorable qui nécessiterait son émission à lui tout seul, le jeu pose une question redoutable. Et si nous arrivions à un état de société tel que l'on puisse programmer les expériences des individus au point de prévoir leurs décisions avant même qu'ils les prennent ? Encore une fois, pas par une sorte de lavage de cerveau, comme dans Gemini Rue, mais simplement en mettant un individu dans des conditions telles que ses choix pourront être prévus avant même qu'il les prenne et, fatalement, pour l'amener à devenir ce que l'on veut qu'il soit. L'individu est censé être weak, mais far from powerless. A single person has the potential to ruin the world. And the age of digitized communication has given even more power to the individual. Too much power for an immature species. Building a legacy involves figuring out what is wanted and what needs to be done for that goal. All this you used to struggle with. Now, we think for you. We are your guardians, after all. You want to control human thought? Human behavior? Of course. Anything can be quantified nowadays. That's what this exercise was designed to prove. You fell in love with me just as you were meant to, after all. Isn't that right, Jack? This 3 plan does not stand for solid snake simulation. What it does stand for is selection for societal sanity. The S3 is a system for controlling human will and consciousness. S3 is not you, a soldier trained in the image of solid snake. It is a method, a protocol that created a circumstance that made you what you are. So you see, we're the S3, not you. What you experienced was the final test of its effectiveness. That's crazy! You heard what President Johnson said. The Arsenal's GW system is the key to their supremacy. The objective of this exercise was to establish such a method. We used Shadow Moses as a paradigm for the exercise. I wonder if you would have preferred a fantasy setting. We chose that backdrop because of its extreme circumstances. It was an optimal test for S3's crisis management capacity. If the model could trigger, control, and solve this, it would be ready for any contingency. And now, we have our proof. En somme, Metal Gear Solid 2 semble détricoter tout le vêtement d'espoir que Metal Gear Solid 1 avait confectionné. Si nos choix de vie ne sont pas réductibles au déterminisme de nos gènes, ils peuvent être prédits par un déterminisme socio-psychologique plus ou moins massif. Vous achèterez ce que l'on décide de vous vendre, vous regarderez ce que l'on décide de diffuser, et vous penserez ce que l'on a décidé de vous faire penser. Pas en exerçant une contrainte, mais en créant les conditions qui feront que il ne vous viendra même pas à l'esprit de faire ou penser autrement. You turn your back on everything you don't like. You do whatever you like, see only the things you like, and for yourself alone. So you see, you're a perfect representative of the masses we need to protect. This is why we chose you. You accepted the fiction we've provided, obeyed our orders, and did everything you were told to. The exercise is a resounding success. Your persona, experiences, triumphs, and defeats are nothing but byproducts. The real objective was ensuring that we could generate and manipulate them. It's taken a lot of time and money, but it was well worth it considering the results. Toute la question réside dans ce on qui décide. Qui est le on qui décide ? Encore une fois, ce simple point mériterait une émission à lui tout seul, une émission que je vous réserverai sans doute si vous voulez qu'on la creuse.
Toujours est-il que la question soulevée par la saga Metal Gear Solid reformule d'une autre façon la problématique ressortie de Gemini Rue. En effet, si ce dernier jeu mettait en scène un conditionnement artificiel massif, avec reprogrammation de la mémoire et chirurgie faciale, Metal Gear traite la question du conditionnement naturel, celui qui est issu de nos codes génétiques, de nos codes psychologiques et de nos codes sociaux. De fait, si Gemini Rue laisse une porte ouverte à l'idée qu'il existerait une nature irréductible à chaque être humain, non déterminée par un conditionnement artificiel, Metal Gear ferme immédiatement cette porte en nous rappelant que le conditionnement n'est pas uniquement artificiel, mais aussi naturel. Aussi bien dans nos gènes que dans notre environnement social. Plus que jamais, la quête de l'idée d'âme comme nature irréductible de l'être humain s'éloigne un peu plus. Mais malgré tout, la fin de Metal Gear Solid 2 laisse de nouveau une lueur d'espoir, notamment dans le dialogue que tient Solid Snake avec Raiden. Who am I really? No one quite knows who or what they are. The memories you have and the role you were assigned are burdens you had to carry. It doesn't matter if they were real or not. That's never the point. There's no such thing in the world as absolute reality. Most of what they call real is actually fiction. What you think you see is only as real as your brain tells you it is. Then, what am I supposed to believe in? What am I going to leave behind when I'm through? We can tell other people about having faith. What we had faith in. What we found important enough to fight for. It's not whether you are right or wrong, but how much faith you are willing to have, that decides the future. The Patriots are a kind of ongoing fiction too, come to think of it. Listen, don't obsess over words so much. Find the meaning behind the words, then decide. You can find your own name. And your own future. Decide for myself? And whatever you choose will be you. I don't know if I can. I know you didn't have much in terms of choices this time. But everything you felt, thought about during this mission is yours. And what you decide to do with them is your choice. You mean start over? Yeah, a clean slate, a new name, new memories. Choose your own legacy. It's for you to decide. It's up to you. L'argument semble en surface le même que dans Metal Gear Solid 1. Ce qui fait de nous des individus, c'est notre vécu. Mais en substance, l'argument de Snake va plus loin, car il répond à la problématique des souvenirs fictifs et des déterminismes socio-psychologiques. Il se peut bien que nos expériences ne soient que le reflet de ce que notre cerveau nous montre. Et il se peut bien que ce que notre cerveau nous montre soit en bout de chaîne une construction psychosociale, pour ne pas dire une fiction. Mais ce que nous ressentons par rapport à cette fiction nous appartient. Nous ne décidons peut-être pas de ce que nous vivons. Peut-être même que nous ne décidons pas de ce que nous pensons. Mais nous avons toujours le choix de la façon dont nous recevons les choses. Autrement dit, l'individualité de l'homme est placée dans l'irréductibilité de ce qu'il ressent. Les expériences qui nous fondent ne sont ainsi plus des événements, mais des affects. L'invitation de Snake de cesser de se poser des questions et de commencer à ressentir les choses recroise en somme ce que disait le célèbre Bruce Lee avec son non moins célèbre « ne pense pas, ressent ». How did it feel to you? Let me think. Don't think. Feel. It is like a finger pointing away to the moon. Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Do you understand? Et si l'excès d'intellectualisation de la question de l'âme était le doigt qui nous distrait de la lune, c'est-à-dire de nos affects profonds,
et peut-être au final de notre âme. Qu'il s'agisse de Metal Gear Solid ou de Gemini Rue, chaque tentative de définir l'homme par une individualité irréductible, une âme qui serait la souveraine de son identité, semble échouer. Exception faite d'une vague idée d'un quelque chose qui résisterait à nos conditionnements naturels ou sociopsychologiques. En somme, on sent que quelque chose dépasse notre patrimoine génétique. On sent que quelque chose résiste aux conditionnements de notre société ainsi qu'aux réflexes de notre psychologie. Mais on n'arrive jamais vraiment à dire exactement quoi. Et si une réflexion centrée sur l'humain ne permet pas de répondre de façon satisfaisante, alors peut-être qu'en décentrant notre réflexion, un début de réponse s'offrira à nous. On peut opérer ce décentrement en passant par la plus grande révolution de ces derniers siècles, l'émergence des robots, et notamment des intelligences artificielles. Pour poser simplement la problématique, si les intelligences artificielles deviennent un jour conscientes et sensibles, on pourra définitivement jeter les conceptions classiques de l'âme à la poubelle. Rien n'est garanti à ce jour, et il se peut très bien que les IA ne deviennent jamais ni conscientes ni sensibles. Mais pour autant, force est de constater qu'elles sont semblables à nous à plus d'un titre. Elles sont en effet codées dans un langage informatique, tout comme nous sommes codés dans un langage génétique. Elles apprennent à partir de processus sensiblement similaires aux nôtres, à partir d'un ensemble de données stockées et confrontées à des situations qui permettent un retour et un ajustement de ces mêmes données. Tout ce processus se fait à partir de connexions entre des unités organisées en réseau, les neurones pour les êtres humains, les semi-conducteurs pour les machines. Imaginons alors, s'il était possible de créer artificiellement un réseau aussi complexe que le réseau neuronal de l'être humain, quelle différence existerait-il entre l'homme et la machine? C'est le fameux test de Turing. Bonjour les primates, ici Relibot. Hicham m'a interrompu de mes vacances pour expliquer à vos cerveaux biologiques ce qu'est le test de Turing. Comme je suis pressé de retourner me baigner dans ma piscine quantique, je vais vous la faire courte. Alan Turing fut l'un des Homo sapiens les plus impressionnants de son temps. C'est en grande partie grâce à lui que la machine de cryptage nazi, Enigma, fut craquée, donnant ainsi un avantage décisif aux Alliés durant la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi à Turing que l'on doit les prémices de ce qui deviendra l'ordinateur. Donc oui, Turing est un petit peu le créateur de mon premier ancêtre. Malheureusement pour ce génie, les Homo sapiens ne sont pas très reconnaissants de nature, et encore moins tolérants. Aussi, en raison de son homosexualité, Turing sera condamné à la castration chimique par estrogène. Il finira par se suicider le 8 juin 1954 avec du cyanure. La légende veut qu'il ait ingéré le poison après y avoir trempé une pomme, ce qui aurait inspiré le logo Apple. Voilà pour l'extraordinaire et tragique histoire du bonhomme. Mais bon. C'est quoi le test de Turing exactement, vous demandez-vous? Il s'agit d'une expérience dans laquelle on met un humain en confrontation verbale à l'aveugle, avec un ordinateur et un autre humain. Si la personne qui engage les conversations n'est pas capable de dire lequel de ses interlocuteurs est un ordinateur, on peut considérer que le logiciel de l'ordinateur a passé avec succès le test, car cela signifiera que les capacités sémantiques, c'est-à-dire les capacités de production de sens dans le langage humain, seront équivalentes à celles d'un humain. Si vous avez le temps, je vous conseille personnellement le film Ex Machina, dont le topo principal tourne justement autour du test de Turing. Vous m'en direz des nouvelles. En attendant, je retourne me dorer la pilule binaire dans ma piscine quantique. Ciao les primates. Répondre à cette question, c'est encore une fois répondre à la question de l'âme définie comme cette part irréductible de l'être humain. Et c'est le jeu Soma, une dystopie futuriste, qui se colle à cette question. Un jeu mémorable à plus d'un titre, et qui propose l'un des écrans de Game Over parmi les plus glauques au demeurant. Tout commence alors que le personnage incarné par le joueur, appelé Simon, se réveille un matin de l'époque contemporaine à la nôtre pour un scanner cérébral suite à un accident de voiture qui nécessite un suivi médical.
Dès l'instant qui suit ce scanner, le personnage se réveille dans un endroit cauchemardesque, très visiblement futuriste, comme s'il avait été téléporté, soit dans l'espace, soit dans le temps, soit les deux. Après un certain temps, Simon se rend compte que tout son environnement est peuplé de robots dont certains sont très agressifs. Il faut bien que le joueur puisse mourir de quelque chose, hein, parce que sinon, c'est plus un jeu. Mais surtout, de robots qui se prennent pour des humains et qui n'ont pas conscience d'être des robots. Hello, can you hear me? What are you? Are you blind? It's me, Carl Semkin, Wrangler. Any of this sound familiar to you? No, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Are you human? Shit, did my body give it away? I try hard staying a mystery. Yeah, I'm human. Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. If you see anyone else around, just tell them where I am. So, where are you, exactly? Are you for real? I'm right here. See me waiting? Look at my hands. Hey, buddy! Okay, I'm not seeing it. I see a machine, a robot talking. What the hell are you looking at? I'm here! See? Okay. I just didn't expect you to look like that. You're really hung up on appearances, you know that? Très vite, Simon réalise aussi qu'il est à des dizaines de kilomètres sous l'océan, et c'est lors d'une scène où il pense se noyer qu'il se rend compte d'une réalité à glacer le sang. Il n'a pas besoin de respirer. Et il n'a pas besoin de respirer car il est lui-même un robot. Je vous passe les détails, mais au fur et à mesure du jeu, on finit par découvrir que lors du fameux scan chez le médecin, l'état cérébral de Simon que l'on avait incarné au début du jeu avait été entièrement numérisé et stocké sur un serveur avant d'être intégré dans un robot des siècles plus tard. Autrement dit, Simon est mort depuis des siècles. Ou est-ce vraiment le cas? S'il demeure vrai que le Simon humain a trépassé il y a des centaines d'années, sa conscience, copiée sous forme numérique, a persisté. Et c'est là le point central de toute la philosophie du jeu. Si la conscience est réductible à un état cérébral, et si l'état cérébral d'un être humain peut être décrit par des données modélisables, alors il devient possible de copier la conscience d'un contenant vers un autre uniquement en copiant les données qui la constituent. Un peu comme quand on copie une clé USB sur un ordinateur. Encore une fois, sans entrer dans les détails, on découvre qu'au moment où le Simon robot, si on peut l'appeler comme ça, se réveille, l'humanité a péri il y a bien longtemps à cause d'un cataclysme causé par une pluie d'astéroïdes à la surface de la Terre. La numérisation des consciences des êtres humains avait pour but de préserver l'humanité de ce cataclysme en préservant la vie en forme numérique sous l'océan. Sauf que, encore une fois pour des raisons que je ne vais pas développer, le projet va capoter à cause d'une intelligence artificielle centrale qui va mal interpréter l'instruction « préserver la vie à tout prix », forçant ainsi ce qu'il restait encore de l'humanité à quitter la Terre à bord d'une sorte de serveur censé être expédié dans l'espace, l'Arche. Alors là, si vous ne captez pas la référence religieuse, je ne peux plus rien faire pour vous. L'Arche avait de surcroît l'avantage de proposer un monde virtuel paradisiaque, garantissant ainsi une éternité virtuelle de félicité. Malheureusement, les humains robotisés, si on peut les appeler comme ça, ont tous en quelque sorte buggé avant que l'Arche ne soit lancée en orbite. Toute la quête du Simon robot va consister à retrouver cette Arche et se télécharger dedans à l'aide d'une compagne de route, elle aussi numérisée, appelée Catherine. Et c'est ainsi que nos protagonistes vont traverser plusieurs péripéties. Simon sera d'ailleurs contraint de copier sa propre conscience dans de nouveaux robots, notamment pour des questions de survie. C'est à ce moment-là d'ailleurs que Catherine lui donnera une information capitale et soulèvera par la même occasion la question morale la plus redoutable du jeu,
Elle lui apprend en effet qu'il est impossible de transférer une conscience, on ne peut que la copier. What was that? No, it's just... Why was it still talking? It's the same like before. Catherine, why was he still talking? That's how it works, you know that. What do you mean? You know it's not magic. You were copied. The sleeping Simon in the seat was copied, and now you are here, just like Simon lived on in Toronto. God damn you, Kath. Two Simons? There can't be two Simons. What did you think would happen? That you were gonna take my mind and put it into another body, like a brain transplant. I'm sorry, it wouldn't work that way. You realize how messed up this is? Please, I didn't mean to upset you. How did you expect me to react to this shit? Please stop. You're fucking disgusting. Quand Simon copie sa conscience dans un nouveau robot, il doit abandonner l'ancien Simon derrière lui. En somme, à chaque copie, il s'agit d'un pile ou face pour le protagoniste. Soit il reprend conscience dans le nouveau robot, soit il reste « coincé » entre guillemets dans l'ancien robot. Durant tout le jeu, à chaque fois que Simon transfère sa conscience, le jeu nous met dans la peau, ou dans les circuits je devrais dire, du Simon qui a gagné au pile ou face, c'est-à-dire du Simon qui se réveille dans le nouveau robot. Autrement dit, on incarne toujours le nouveau Simon copié et jamais l'ancien qui a été copié, et que l'on abandonne derrière à son sort cauchemardesque. What's gonna happen to him? He'll sleep for a while, a few days. And then what? Wake up in this fucking nightmare again? All alone? That's so cruel. Well, what do you want me to do with him? Make friends? Let him know that we have to leave him behind when we go into the abyss? Bien sûr, depuis la perspective du joueur, tout se passe comme s'il y avait eu transfert. Et c'est ce qui fait le génie de la dernière scène. Time, 20 seconds. What's the matter with the upload? Just give it a second. I thought you guys would have better bandwidth in the future. Ten seconds. Nine. Eight. Seven. Six. You gotta be kidding me! Five. Four. Getting on the Ark, I saw it. It finished loading just before it launched. Yeah, I saw. Then why are we still here? Simon, I can't keep telling you how it works. You won't listen. You know why we're here. You were copied onto the Ark. You just didn't carry over. You lost the coin toss. We both did. Just like Simon at Omicron, just like the man who died in Toronto 100 years ago. Au moment de copier sa conscience dans l'Arche, qui devait être lancé dans l'espace, le jeu nous met non pas dans la peau du Simon qui a été copié dans l'Arche, mais dans la peau du Simon qui est resté derrière, lors d'une scène de fin absolument glaçante. This is bullshit. We came all this way. We launched the Ark. I know it sucks, but our copies are up there. Catherine and Simon are both safe on the Ark. Be happy for them. Are you crazy? We're gonna die down here with those fuckers living at large on a spaceship. They're not us! They're not us! I'm sorry you feel that way, Simon. I'm proud of what we did. We made sure that something of the hundreds of thousands of years of human history survives, that something lives on. No. Fuck this! Fuck this! Fuck you! Fuck you, Catherine! You lied! And I believed in you! I trusted you! You said we're getting on the fucking Ark! We are on the Ark, you idiot! I didn't lie! I can't be responsible for your goddamn ignorance! Fuck!
Catherine? Please don't leave me alone. Catherine? Catherine? Bon, sans doute pour ne pas que le joueur se sente comme le dernier des étrons, les concepteurs nous font aussi voir le point de vue du Simon qui a été copié dans l'arche après les crédits de fin. Mais tout de même, le joueur est mis en face des conséquences de ses choix précédents. Qu'est-il arrivé aux anciens Simon qui ont été abandonnés plus tôt et qui se sont retrouvés dans le même désespoir effroyable? Je ne vous cache pas que ce jeu m'a fait réfléchir plusieurs semaines après l'avoir terminé. Qui est Simon? Est-ce l'être humain qui est mort il y a des siècles? Est-ce le robot qu'on a abandonné plus tôt dans le jeu? Est-ce le Simon de l'Arche? Ou le Simon qui a raté sa montée dans l'Arche? La dispute entre Catherine et le dernier protagoniste que l'on incarne concentre deux points de vue différents. Pour cette version de Simon, les copies de lui et de la Catherine uploadées sur l'Arche sont d'autres entités. They're not us. They're not us. Pour Catherine, ce ne sont pas d'autres entités, mais des réplications d'eux-mêmes. You said we're getting on the fucking Ark. We are on the Ark, you idiot. De fait, alors que le Simon resté sur Terre voit sa situation comme un échec et même une trahison, Catherine y voit plutôt un succès et juge la réaction de Simon puérile et égocentrique. Et nous, en tant que joueurs, qu'en pensons-nous? On en revient à la question posée en introduction de vidéo. Est-ce qu'une copie d'une personne est une autre personne? C'est l'interprétation de Simon. Ou la même personne dupliquée? C'est l'interprétation de Catherine. La même question est posée dans le jeu Observer, dont le contexte est encore une fois une dystopie futuriste. Dans cet univers, chaque être humain a un implant cérébral qui permet à des policiers spéciaux, les observeurs, de se connecter à leurs souvenirs. Listen to me. The building's on lockdown. There's no way I can help you now. But I can get whoever's responsible for this if you help me find him. Don't try to talk. There's another way. Subject approved. Commencing neural interrogation. On incarne justement l'un de ces observeurs, un certain Daniel Lazarski. Ce dernier enquête sur l'assassinat possible de son fils Adam. Adam? Oh my God. Dispatch, this is Lazarski, ID 656210. Can anyone hear me? Au début du jeu, on ne sait pas vraiment si c'est le fils de Daniel qui est mort parce que tout simplement il manque la tête. Great. Fucking great. Okay, Dan. Maybe it's not him. Doesn't have to be. À la fin du jeu, on découvre qu'Adam était bel et bien mort, mais que sa conscience avait été numérisée dans une forme relativement fidèle, mais devenue mégalomane. On doit alors choisir entre tuer cette conscience numérisée à cause de sa mégalomanie dangereuse, ou au contraire la sauver au nom du fait qu'elle reste une expression de la conscience du fils de Daniel, et que donc, quelque part, cette conscience numérisée reste un peu son fils. Le choix du joueur revient à répondre à cette question au demeurant sans réponse. Est-ce que cette numérisation de la conscience d'Adam est toujours Adam? Daniel va-t-il sauver son fils ou sauver une intelligence artificielle devenue dangereuse? Va-t-il tuer son fils ou tuer une intelligence artificielle devenue dangereuse? If you think you're ready to make your choice, you let your son die, or will you save me? Les deux formulations des deux questions dépendent entièrement de notre interprétation de qui est Adam et fatalement, qu'est-ce qu'un être humain? Chaque joueur aura sa réponse, même s'il faut admettre que les concepteurs donnent un peu leur avis.
En effet, si on décide de tuer l'intelligence artificielle, on apprend qu'Adam lui-même était effrayé par ce que sa conscience numérisée était devenue et qu'il a cherché à l'effacer. My son is gone. I'm not sure anymore who or what you are, but you will pay for what you did. That's disappointing. I was hoping we could do this the easy way. But since you failed to see reason, I'm afraid I'm gonna have to insist. And what? Break into my brain? What do you think I've been doing for the past hour? I've been chipping away at you ever since you got into that capsule. You're breaking my heart, asshole. No, Dad. Just your mind. I didn't want to do this, but you gave me no choice. I want to live. Forever in a day. Go to hell. After you. C'est la raison pour laquelle l'intelligence artificielle s'est d'ailleurs débrouillée pour qu'il se fasse assassiner. On peut néanmoins adopter aussi le point de vue de l'IA, notamment sur sa volonté de vivre et sur les efforts qu'elle déploie pour faire en sorte que Daniel accepte de la sauver de son plein gré et ainsi éviter d'avoir à le contraindre par la force. Bien que devenue mégalomane, l'IA exprime la même volonté de survie que n'importe quel organisme vivant et semble même nourrir une microscopique forme de compassion pour son géniteur indirect. Peut-être que l'on tient ici une autre possible définition de l'âme. L'âme comme volonté de survie, couplée à une forme de gratitude pour le don de la vie. Ce que les jeux Soma et Observer apportent de plus par rapport à Gemini Rue, et même par rapport à Metal Gear Solid, c'est l'idée selon laquelle la conscience peut être copiée, voire même créée, puisqu'elle peut être numérisée. Si tel est le cas, on peut se poser la question de savoir ce qu'il reste à l'être humain qui puisse être appelé âme. Et à mon sens, si les théologiens doivent avoir une quelconque pertinence dans le monde d'aujourd'hui, ils doivent répondre à cette question. Parce que toute la cosmologie des religions tourne autour de la notion d'âme. Ils n'ont donc pas le luxe de pouvoir attendre. Les théologiens doivent se positionner, penser le concept à nouveau frais et le définir de façon cohérente avec tout ce que l'on sait aujourd'hui sur le fonctionnement de notre cerveau, sur l'influence de la génétique, ainsi que les déterminismes sociaux et psychologiques auxquels nous sommes tous soumis. Autrement dit, si le corps, les souvenirs, les expériences, les choix et même la conscience peuvent être changés, manipulés et même créés, l'âme, ça veut dire quoi? Bien entendu, il ne s'agit que de fiction, et par un médium très spécifique qui est le jeu vidéo, mais ces fictions soulèvent tout de même des questions qui sont pertinentes, à mon sens, à la fois pour les philosophes et les théologiens. Car qu'est-ce qu'un jeu vidéo, finalement, si ce n'est une expérience de pensée avec laquelle on interagit? Un univers qui a ses propres règles et qui permet de nous projeter dans des situations qui sont certes impossibles dans le monde empirique, mais tout de même pensables. Et le fait qu'un médium de loisir comme le jeu vidéo soit investi de questions aussi profondes que celles que l'on vient de voir dénote quelque chose qui me semble universel dans ces questionnements. Quelque part, le fait que dans les jeux vidéo, on creuse la question de l'âme, de la conscience, de l'identité, de toutes ces questions finalement très profondes, ça nous montre que, même dans nos moments de détente, les grandes questions finissent par s'infiltrer. Elles nous habitent quoi que nous fassions. Et le traitement vidéoludique de questions profondément philosophico-religieuses montre, à mon sens, toujours la singularité du jeu vidéo, comme médium par rapport au cinéma ou à la littérature. Après avoir passé des dizaines d'heures à contrôler Azriel, Snake, Raiden, Simon, Daniel, tous les personnages qu'on vient de voir, après avoir effectué des choix pour eux, après avoir été à la fois spectateur et acteur de leurs péripéties, on finit par vivre les mêmes dilemmes qu'eux et on finit par se poser les mêmes questions qu'eux. Et avec beaucoup plus de vérisimilitude, selon moi, que si on s'était contenté de lire leurs péripéties dans un bouquin ou si on les avait suivies dans une série ou dans un film. La puissance de nos machines, qu'il s'agisse d'ordinateurs ou de consoles de jeux, permet aujourd'hui de créer des univers de plus en plus criants de réalisme. Un réalisme qui est amené à s'accentuer avec l'essor de ce qu'on appelle la réalité virtuelle et les fameux casques de réalité virtuelle qui sont sortis il n'y a pas si longtemps déjà.
Peut-être que si ces casques deviennent suffisamment sophistiqués, on touchera petit à petit à cette dystopie que le jeu vidéo aura ironiquement à la fois annoncée et rendue possible. Un monde dans lequel la réalité et la fiction deviendront de plus en plus indissociables. Un monde où nos sens seront en permanence mis à l'épreuve par des formes de réalité virtuelle qui rendront présentes des choses qui seront inexistantes dans le monde empirique. À moins que l'humanité se fasse supplanter par ses propres créations avant que tout cela n'arrive, que les intelligences artificielles deviennent finalement plus puissantes que leurs créateurs. Quel rapport alors entre créature et créateur si la créature supplante le créateur ? Sans doute ici un sujet pour un autre épisode de religiologie et culture pop. Parce que croyez-le ou non, mais la saga Alien, bien qu'elle soit connue pour être d'abord une saga de films d'horreur, est en fait une énorme métaphore religieuse de la créature et du créateur. Je vous ai donné envie d'en savoir plus ? Eh bien tant mieux, ça me permet de vous donner rendez-vous pour la saison 6 sur LDC, et donc un deuxième épisode de religiologie et culture pop sur la saga Alien. Une émission que j'ai envie de faire depuis très longtemps, pour tout vous avouer. D'ici là, portez-vous bien, réfléchissez à la réalité de l'âme, mais n'en faites pas non plus une obsession ni des cauchemars. Donc, bonnes vacances à toutes et à tous, et on se dit à la prochaine sur le débat continu pour la saison 6.